Je vous fais une révélation parce que c'est un truc que je n'assumais pas jusqu'à il y a quelques mois. Mais nous, notre vision, c'est d'être la première plateforme mondiale en termes d'éducation financière. On a aussi lancé une maison d'édition, l'édition Argent Livre, et on a plus de 11 livres qu'on a édités. Le dernier en date, c'est l'Excellence scolaire. C'est un très très bon livre, il s'appelle Valdès Mazou, c'est un Gabonais, il vit en France. Très bon livre. Ensuite, il y en a beaucoup d'autres. Ça, ce sont les produits. Ceux qui ont suivi la première édition de la Masterclass, les livres sont déjà disponibles, ils font du chiffre et tout. Voilà. Regardez un peu cette photo. Est-ce que ça ressemble à un milliardaire là? Donc, je me mets dans la position de quelqu'un qui va générer beaucoup d'argent. Dans le subconscient que ça travaille. Et quand quelqu'un même m'écrit sur WhatsApp, qu'elle va même suivre. Parce que quand vous allez dire que je suis, j'ai envoyé checker, mais toi tu es qui? Les ébons nous disent quoi chez nous? Aneza, toi tu es qui? Ils vont aller checker, mais tu es qui? Après ils regardent, hey, quand ils voient ça, c'est la magie d'Internet. On a besoin de savoir ce qui se passe dans ta vraie vie. On n'a pas besoin. C'est le branding. Quand vous buvez le coca, vous savez que c'est fabriqué comment? Mais juste vous voyez la bouteille, c'est ça qui vous séduit, non? On n'a pas besoin. Soignez votre image sur Internet. Ce qui se passe derrière, on va voir. On n'a pas besoin de savoir que vous galérez, non. Mais vous faites d'abord comme ça. Et après, vous allez avoir les retombées. C'est après. Tu vois les retombées? Enfin. On poursuit. Donc, Argent Livre, c'est surtout une équipe de jeunes, depuis les 15 jeunes. Je vous fais une révélation parce que c'est un truc que je n'assumais pas jusqu'à il y a quelques mois. Mais nous, notre vision, c'est d'être la première plateforme mondiale en termes d'éducation financière. Ça, c'est notre vision sur 10 à 15 ans. Donc, rêver grand. C'est gratuit, non? Qu'est-ce qui va nous empêcher de rêver? Voilà. Donc, notre rêve, c'est celui-là. Et on ne veut pas que rêver parce qu'on travaille beaucoup. Donc, on a des référents. Ici, Martin n'est pas là. C'est notre référent avec qui on travaille au Gabon, au Mali, à RDC, au Burkina, au Togo, bref. Même des fois, je reste comme ça et me demande comment j'ai fait pour construire une équipe comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur business, qui gagnent beaucoup plus d'argent que ce que nous on gagne, mais qui n'ont pas de pieds à terre comme nous on en a. Et ça, c'est notre diamant parce que ça nous permet de développer beaucoup d'autres choses derrière. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais sachez qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Vous allez entendre parler de moi ici dehors. Vous allez dire qu'on était dans la même salle, mais prochainement, vous allez payer même 100. Donc voilà, ça c'est une équipe et il y en a beaucoup d'autres qui sont malheureusement pas là. Donc, vous allez sans doute vous dire, mais celui-ci, on est venu écouter le truc sur comment lancer un business sans financement, mais lui, il nous raconte sa vie. Prenez votre mal en patience. Comment se lancer en business sans financement? En fait, ça, c'est même pas une question qui doit exister. Tel que moi, je vous vois là, vous n'avez pas le problème de 10 000. Vous n'avez pas le problème de 15 000. Vous n'avez même pas le problème de 50 000. On peut démarrer avec peu et faire beaucoup. C'est ce que j'ai fait. Je vais vous raconter en quelques lignes, mais c'est beaucoup plus détaillé dans mon livre. Je me suis lancé avec 30 euros. J'ai dit 30 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, un matin, je me dis, bon, j'ai trop lu.
J'ai trop lu le livre de Roli, dis donc. Il a dit trop de choses dedans. Mais je ne peux pas juste lire, il faut que j'applique, ou bien. Excellent livre en passant, hein. Je vous conseille vraiment de le lire. J'ai lu son livre. Il dit, aime l'argent, tu seras fort. Moi, je veux l'argent, moi, je veux devenir fort. J'ai lu le livre de Claudel. J'ai lu la chèvre de ma mère. Je dis, mince, j'ai trop lu. Maintenant, il faut aussi que j'essaye quelque chose. Ou bien. Donc, c'est comme ça qu'il y a mes 30 euros. Je me dis, bon, je vais investir. Je marchais, c'était les soldes. Je vais dans un supermarché comme ça. Et je vois les chaussures. Je vois une paire de chaussures, elle coûte 30 euros. D'habitude, mes chaussures, parce que moi, j'étais quelqu'un qui avant. Ceux qui m'ont connu avant, bon, malheureusement, il n'y a personne qui m'a connu. Ceux qui m'ont connu avant, dans mon avant. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait la sape. Je m'ai écrit bien fringué. Chaud comme le coquille qui vient sortir du feu. Mais après avoir lu le livre de Roli, Ricardo Kanyama, j'ai compris qu'il faut que je me calme. Donc, je vais au supermarché. J'avais une basket qui coûtait 200 euros sur les pieds. 200 euros, c'est équivalent de plus de 120 000 francs CFA. Et je vois une paire de chaussures. Elle coûte 30 euros. Sauf que là, je ne veux pas l'acheter pour la porter. Je veux l'acheter pour lancer un business. Ouais, je me dis, je vais essayer un truc. Et là, je restais peut-être 30 minutes. Je réfléchissais. J'achète ou je n'achète pas. J'achète ou je n'achète pas. Je fais la danse Bafia. Chez nous, à Bafia, ils font quoi? Un pas devant, deux pas derrière. C'est ce que je faisais devant la chaussure. Je regarde. Je dis, et si je paye la chaussure ici? Je n'arrive pas à vendre. Je paye mon argent. J'avais lu beaucoup de livres. Hein. Mais maintenant, passer à la chose d'autre chose. Après, je dis non. J'ai quand même la carte de la sécurité. Je dis, acheter une paire de chaussures qui a la même pointure que mon pied. Là, si ça ne se vend pas, je porte moi-même. Elle se voit un peu. Et c'est ce qui s'est passé. Je prends la chaussure, même devant la vendeuse. En général, ce sont les femmes. Voilà. J'arrive. Je réfléchis. Après, elle dit, bon, ça va. De toute façon, si je perds 30 euros, ça fait quoi? Je donne. Et dès que je suis sorti du magasin, là, j'avais une seule idée, c'est de vendre la chaussure. Donc, je rentre chez moi. L'avantage en Europe, c'est qu'on a quand même plusieurs petites applications où on pourrait vendre des trucs vite fait. Et l'application en question s'appelle Vinted. Donc je vais, je télécharge l'application, tac, je prends en photo, tac, je poste. C'est un beau petit visuel, le branding c'est puissant, je vous dis la vérité. Donc 30 euros, je poste à 40 euros. J'attends un jour, rien, j'attends deux jours, rien. Je dis donc, mets ma chaussure et sort. Je commence à faire mes balades et tout, tac, tac, tac. Je reviens, je pose la chaussure. Et je vais au foot. Je sors du foot, mon téléphone sonne. Notification, bam, votre article vient d'être vendu. Je dis, mince, dans la fête, il fonctionne. J'ai rentré chez moi, je prends la chaussure, je nettoie. Je vois que c'est un peu mouillé, je prends le sèche-cheveux, je mets dessus. Propre, le carton j'avais mis à la poubelle, je n'ai pas sorti parce que c'était pas encore sale. Je tac, tac, j'emballe, j'envoie. Après, je reçois 40 euros, je me dis donc, il y a l'argent dans la fessière. J'ai dit, c'est 30 euros, est-ce que 30 euros ça vous dépasse à gagner? Donc, je prends la chaussure, j'envoie, je reçois mon argent. Il dit, ça c'est quelque chose à fouiller. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes 40 euros que j'ai gagnés. Je dis, j'ai un peu d'épargne de côté. Parce que Roli a dit 10%. Je dis que je vais appliquer ce que Roli a dit. Ça ne marche pas. Je prends, j'avais combien? Je dois avoir 100. J'avais un peu d'argent de côté. Je prends 160 euros, je complète. Parce que c'est encore les soldes. Je me dis qu'il faut que je réplique. Comment? J'ai vu quelque chose qui marche. Il faut que j'essaie encore. Ça fait 200 euros. Je repars au supermarché. Je prends 5 paires de baskets cette fois-ci. Je dis maintenant, comment? Si j'ai pu gagner 10, si j'ai fait 5 fois 10, ça fait 50. Et vous savez ce qui se passe? Les 5 paires de chaussures sont vendues en moins d'une semaine. J'ai gagné combien? 20 euros fois 5. J'ai gagné 100 euros en plus. Ça faisait combien? 300 euros, non? Je me dis, bon, combien 300 euros? Il faut encore répliquer. Je prends les 300 euros. Je complète encore les 300 euros à côté. Ça fait que non, j'avais pris juste les 300 euros. Je vais encore, c'était les soldes. Il faut profiter avant que ça ne finisse. Comment? Il y a l'argent. Donc, je vais encore au supermarché. Cette fois-ci, je dis bon, il faut que je tape fort. Je prends 15 paires de chaussures. Je descends. Je dis bon, si je vends une paire, je vais mettre trop de temps pour devenir riche. Donc, je m'en vais voir le commerçant. Je dis, je vais aller sur le marché. Parce qu'en Europe, il y a les supermarchés où c'est tout beau, tout propre et tout. Et il y a le marché où, comme on fait ici, le marché, les gens discutent et tout. Et si je sais pas si un jour vous allez en Europe, traitez avec les Arabes, ils sont de très bons commerçants, très bons vendeurs. Donc je pars voir un monsieur là-bas que j'avais à repérer. Je viens avec deux, trois paires de chaussures.
Je lui dis, bon, est-ce que vous pouvez me prendre deux, trois paires de chaussures comme ça? J'avais appris toutes les stratégies de vente dans ma tête. Mais dès que j'arrive devant lui, j'ai tout oublié. Donc j'arrive et tout, je place deux ou trois mots comme ça. Et il me dit, non, moi je ne prends pas la quantité. La quantité que tu me proposes, je ne prends pas. Moi, je prends minimum 10 paires, 15 paires, 20 paires. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je vais chercher. Je reviens. Il me dit, ok, maintenant on peut parler. Sauf que moi, j'avais pris les chaussures à 40 euros, la paire. Lui, il me propose 30 euros. Il dit, comment? Donc, il me dit, attends, je vais te montrer. C'est ça qu'il faut garder. Il faut vraiment. Donc, l'une des plus belles choses que le business m'a apprise, c'était l'humilité. Parce que tu ne peux pas t'en sortir en business si tu n'as pas l'humilité d'apprendre auprès des autres. Donc, le monsieur me tire à côté. Il me dit, regarde. Il me montre par le site sur lequel il commande. Mais il me dit, regarde les prix auxquels je commande. Il dit, ok, merci. Je pars, je vends les chaussures. Je dis que désormais, tu vas être mon fournisseur. C'est comme ça que je commence à prendre chez lui. 40 paires, 50 paires, 60 paires. Et je vends, je vends, je vends, je vends. En l'espace de moins de 6 mois, on a fait 4000 euros. Donc avant, je ne m'imaginais pas toucher des sommes comme ça, à part en travaillant à McDonald's. Donc, je touche les 4000 euros. En ce moment-là, je suis étudiant en médecine. Et déjà, mes camarades se moquaient de moi et disaient, mais tu es vendeur de chaussures ou tu es étudiant en médecine? Je dis, laissez, cherche mon dieu. Donc, je suis étudiant en médecine. Je suis à McDo le soir. J'ai fait mes vidéos et ma mère en passant, elle me disait, mais toi, tu parles sur Internet, tu t'écoutes. Je dis, laisse. Laisse, c'est pas ton problème. T'inquiète. Je fais mes vidéos et tout. Et je me dis, bon, McDonald's ne va pas me rendre riche. Ça me fait perdre du temps. Mais ils ont des emplois précaires, qu'on ne vous manque pas. Quand vous voyez quelqu'un qui travaille à McDo le sourit, il ne gagne rien. Il ne gagne rien. Donc, je me dis, continue à rester ici. Le temps que je perds là, je ne peux pas devenir riche en restant ici. Donc, je m'arrange à mettre plus de 6 mois de mon salaire de côté. Je vois un truc sur l'auto-entrepreneuriat. Je me dis, je vais lancer chauffeur-livreur. C'est comme ça que je rentre dedans. Je gagne un peu plus, mais du tout esclave du boulot. Parce que c'est mon temps contre l'argent. Et en plus, j'étais tout le temps dehors, la moto, le truc. Donc, je fais ça aussi 6 mois. Mais je savais qu'il ne va pas rester là pendant longtemps. Après un moment, j'abandonne tout ça et dis, bon, agent livre là, ça commence à donner du répondant. Donc peut-être qu'il faut que je creuse un peu plus. C'est comme ça que je me plonge à 200%. Au début, je me disais, mais est-ce que je vais gagner l'argent? Même ma mère me disait, mais le machin que tu parles sur Internet, tu vas gagner, dit, t'inquiète pas. C'est comme ça que je me lance à fond dedans. Formation, 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 lecture et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça qu'on développe tout ce que vous avez vu là. Pour aujourd'hui, en moins de 10 mois, on a fait 17 millions de francs CFA. On a commencé, j'ai commencé avec combien? 30 euros, non? J'étais seul, non? Aujourd'hui, nous sommes plus de 15, non? Et ce qui est encore mieux dans tout ça, c'est que quand j'ai travaillé à McDonald's, mon agent, c'était pour moi seul. Mais depuis que j'ai lancé ce truc, il y a des personnes avec qui je travaille. La plupart sont en Afrique. Ils ont gagné plus de 200 000 francs avec nous. Ce n'est pas énorme, mais pour un étudiant, c'est déjà quelque chose. Ceci d'autant plus qu'en tant qu'infographe, il me dit souvent qu'il ne trouve pas des marchés. Mais avec moi, avec nous, je vais dire, on leur trouve des clients, on leur trouve des marchés parce qu'ils bénéficient de notre visibilité. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 personnes qui nous suivent sur tous les réseaux. C'est déjà quelque chose de conséquent. Aujourd'hui, j'ai permis à Stéphane d'être en contact avec un imprimeur. L'imprimeur que j'ai permis aussi d'être en contact avec un homme d'affaires qui quand même pèse quand même. Donc, quelque part, lorsque vous allez aussi vous lancer, que vous allez suivre le processus, quelque part, vous allez aussi influencer les gens qui sont autour de vous. Quand vous devenez... Personne ne devient milliardaire sans faire des millionnaires.